Commentaire, j'arrive, je vois. Déjà, bien joué à toi, Vaze. Tu joues le titre, mon gars, tu es premier. Un tuto tombé du camion, totalement tombé du camion, les gars. Vous n'hallucinez pas. On va attendre un peu, là, je vous parle un petit peu. Vous n'hallucinez pas, on est bien sur un tuto cuisine sur la chaîne de Xorax Unique. Improbable. Tombé du camion, j'ai vrillé mon crâne, gros. Namco m'a fait craquer psychologiquement. Là, je vous parle un peu. On attend qu'il y ait un petit peu du monde qui arrive. J'espère qu'il va y avoir un petit peu des gens, quand même. Et ça va faire un petit tuto cuisine. Y a pas... Yo, yo, ça y est, ça débarque, les gars. Il n'y a pas de vidéo ce soir. J'avais prévu une vidéo au PBR, mais le traitement va être beaucoup trop long, ça va arriver beaucoup trop tard, c'est la rentrée, vaut mieux que vous couchiez un petit peu plus tôt et tout, la vidéo elle va sortir genre vers minuit, donc tant pis. Mais je vous fais un petit live, tombé du camion, ça y est, on est 27, je vois que ça monte, bienvenue à tous les frères, je vous parle un peu et je suis sérieux les gars, le titre c'est pas une connerie, on est parti pour faire un live cuisine les gars, je vais vous montrer comment faire l'une de mes spécialités les gars, et comme toute spécialité de grand chef, je lui ai donné un nom. C'est la faritas du sexe, mon gars. Alors là, pour le coup, c'est pas vraiment une... Vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Je vous lis un tout petit peu, les gars. On est parti, incroyable! Un don, mon gars, de Sasuke, 99 centimes. Mais merci à toi, frérot. Comment mieux commencer ce live cuisine? Improbable. Eh, je vous ai dit, un jour, je suis chaud, je fais une chaîne Xuxol Cuisto, les gars. Xuxol Cuisto, bientôt. Mais un jour. Je t'aime, mon cœur, over. Merci à toi. Bienvenue à tous, les frères. Bienvenue aux sœurs. Bienvenue aux grands-pères et même aux grands-mères. Imagine, il y a une grand-mère. Frère, elle cherche tuto cuisine faritas, elle tombe sur ma vidéo, gros, elle tombe sur un taré comme moi, faritas du sexe, elle va vriller son crâne, elle va faire un arrêt cardiaque, la vieille. On est 52, écoute, je pense qu'on va commencer, les gars, bienvenue à tous, les gars. On est parti, alors, il va falloir que je vous montre un petit peu, ouais, voilà, je vais pouvoir tourner la caméra, c'est bon. On est parti pour ce live cuisine, les gars. Improbable, première fois de ma vie, je fais ça, les gars. On ne juge pas trop, première fois de ma vie, je fais ça. On est parti, je tourne la caméra, voilà, impeccable. Attends, je vais rester en format comme ça. Alors, mon gars. Alors, non, c'est pas exactement les faritas. En fait, j'ai deux recettes qui sont typiques à moi, tu vois. C'est la faritas du sexe, mais là, j'ai pris des tortillas. Donc, ce seront des tortillas du sexe. Les gars, ça va être ça un peu à la zbeul, un peu en gitante. C'est que j'ai pas de bail et tout pour tenir le téléphone. Donc, ça va pas être facile. On va commencer, mon gars. Dans un premier temps, tu fais chauffer ton four. Pas chaud, mon gars. Pas trop chaud. Je vais allumer les lumières, mon gars, qu'on voit pas grand-chose. Pas trop chaud, tu vois, léger, comme ça, tout léger. Tu prends tes tortillas, mon gars. J'en prends trois. Il va te falloir des œufs et tout, c'est un truc à base d'œufs. Elle est où, le truc? Frère, je me suis perdu, attends, je me suis perdu. On est une vidéo au PBR aujourd'hui. Et là, je te fais un live cuisine. La chaîne de Xorax Unique, mon frère, c'est improbable. Donc, hop, voilà, on met les faritas, tranquille. Feu, non, pas feu, qu'est-ce que je dis? Douce, chaleur légère, tranquille, comme ça. Histoire que ce soit un petit peu plus moelleux. Xorax le cuisinier, mais bien sûr les gars, vas-y je vous lis un peu. Ça bug un peu, ben là pourtant normalement le wifi ça devrait être bien, on n'est pas à McDo, comme vous connaissez bien les bails. Putain je me suis fait bouffer par les moustiques. Alors maintenant mon gars, dans un deuxième temps, tu mets un petit peu d'huile d'olive dans ta poêle. On va faire chauffer, légèrement, parce que cette faritas du sexe, attends parce que, ok, je suis pas habitué les gars, je suis pas habitué, je suis tout nouveau dans le bail. Les faritas du sexe, ça va être, les tortillas du sexe, ça va être avec des œufs. Donc là mon gars, je vous pose deux secondes. Hop, attends, je vous pose là, histoire que vous voyez un bail. Ouais, mon gars, on est là en claquette chaussette. Il n'y a aucun respect. Je vais casser les œufs, les gars. On va mettre ça dans la poêle. Après, il faut prévoir. Ah, mais les gars, je suis premier degré. Hein. Moi, là, je vous sors une vraie recette de cuisine, mon gars. Là, tu l'as fait à tes darons, gros. Ça se fait en 5 minutes, mon gars. 5 minutes, tu l'as fait. Et tu dis, c'est Xorax Unique, gros, la faritas du sexe. Voilà, la tortillas du sexe. Un problème. J'aurais dû mettre tortillas, merde, dans le titre, je suis con. Donc là, mon gars, je casse juste les œufs, tranquille. Je vais vous reprendre. Je casse les œufs. Hop. Il va vous falloir un petit peu de jambon après. Les musulmans en sueur, je suis désolé. Hop, voilà. Je vais me laver les mains vite fait. On est carré. Regardez un peu ce professionnel de la cuisine, les gars. Regardez-moi ces œufs. Il n'y a aucun débordement des jaunes et tout. C'est parfait, mon gars. Donc tranquille, feu doux. On attend que ça cuise. Ici, donc tranquille, ça se rend un petit peu plus moelleux. Ensuite, ce qu'on va faire, mon frère, c'est qu'on va mettre du coup des tranches de jambon à l'intérieur, tout autour en fait, de la tortillas. Ah, moi les gars, là, je suis premier degré, il n'y a pas de déconnade ou quoi, je vous sors une vraie technique. On va en mettre tout autour et même, je pense, c'est un peu mieux, ça, j'ai jamais essayé. Tu mets un petit peu de saint-moré autour du jambon, mon gars. Hop là, mon gars ou ma grand-mère, parce que gros, moi je suis sûr, frère, il y aura au moins une mamie au monde qui va tomber sur cette vidéo,
Tu fais cette recette à tes petits-enfants, incroyable. Là, les olives, on va pas s'en servir, c'est genre un petit truc en plus, tu vois, que je rajoute, mon gars, que je rajoute. Les œufs, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai peut-être pas mis assez d'huile d'olive, mon gars, vu que j'avais préparé le bail avant de sortir le live. Putain, je vois, on est toujours 54, gros. Les gens, les 50, ils tiennent. Ils sont réellement intéressés par la tortillasse du sexe. Je vous l'ai vite fait un petit peu, les gars, pendant que ça chauffe. Xoros Vin Smoke, ouais, par rapport à samedi, bien, bien vu, bien vu. Jambon de Genshin Impact ou je sais pas quoi. Est-ce que tu. Non, lui, il a un 6 gros avec son Genshin Impact. La mamie qui est venue invoquer sur le parking de McDo, elle a laissé un XB imaginé. Mais elle, gros, si elle tombe sur la vidéo, elle va mettre son dislike. Mettez les pouces bleus, les frères, d'ailleurs. Mettez les pouces bleus, il y en a 28, là-haut, on est 50. Mettez les pouces bleus. Là, écoute, c'est bientôt carré. On attend encore un peu. Ça va être compliqué, frère, à une main. Ça va être compliqué. Je suis cadreur, cuistot, animateur, cuisinier, tout ce que tu veux, mon gars. Là, je pense que ça va être carré. On va sortir ça. J'aurais même dû le sortir un petit peu avant pour qu'on soit un petit peu plus efficace. Ouah, désolé, les frères, la caméra, ça va aller dans tous les sens. C'est un zbeul. Vas-y, que je le mets sur ça. J'espère que ça va pas prendre feu, gros. Normalement, ça va. J'ai pas mis le four chaud. Hop, mon gars. Alors, là, du coup, comme je vous ai dit, je vais mettre mes tranches de jambon à l'intérieur tout autour. Voilà. Je vais arrêter ici. Je peux pas tout gérer à la fois. Je vais devoir poser le téléphone, les gars. Là, tranquille. J'ai laissé. Je veux pas que ça s'accroche à la poêle. Ah, j'ai cassé le plus à gauche. J'ai cassé le jaune 2, hein, le plus à gauche. Merde. C'est pas grave. Je vais poser là, les gars. Il faut que je mette le jambon tout autour des tortillas du sexe, mon gars. Je vous pose. Je vous pose où? Je vous pose là. Voilà, vous êtes à côté de moi. Je vais essayer de vous lire en même temps. Donc, non, les gars, pour ceux qui arrivent et qui se disent il n'y a pas de OPBR ou quoi, j'avais prévu une vidéo OPBR ce soir. C'était la vidéo, la dernière, peut-être, une vidéo invocation sur Shanks. Mais le traitement est beaucoup trop long. J'ai des bails à faire tout à l'heure. Je sais que c'est la rentrée. Donc, bon, forcément, vous vous couchez un petit peu plus tôt. Donc, je ne la sortirai pas ce soir. Donc, là, on se fait un live chill, mais vraiment tombé du camion, mon gars, sorti des enfers les plus lugubres. On se fait ça, mon gars, tranquille. Hop. Mes faritas, elles sont plutôt chaudes, elles sont plutôt beurre mal. Hop. Putain, ça va prendre du temps. Là, j'en ai trois. Je vais essayer de faire ça en speed. Vraiment, mon gars, je me lance dans des bails, moi. Qu'est-ce qui m'a pris de faire ça, gros? Ah, ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, vas-y, merde, il n'y a pas de vidéo ce soir. Je voulais vous faire un petit live. Et je me suis dit, vas-y, je fais un live cuisine, gros. Ça sort des enfers, mon idée. Voilà. Alors, ce que je fais, il y en a un. Voilà, j'ai commencé un petit peu, tu vois, tranquille. Et je vais mettre un petit peu de samouraï. Hop. Putain, le chat, à chaque fois, il disparaît. J'aimerais bien essayer de le lire en même temps. Mais le bas, il disparaît. Voilà, les œufs, je vais faire attention que ça colle pas. Ça va être compliqué, mon gars. Et ouais, ça fait chier, putain, le chat, il fait que disparaître. Ah, désolé, vous avez pas de vision, vous avez pas de vision agréable, là, les gars. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais vite, je vais vite, j'accélère. J'accélère, mon gars. Donc, un petit peu de samouraï avec le. Ça va être compliqué là du coup vu que ils sont encore sur la poêle, ils vont bien se coller entre eux donc ça va être un petit peu chiant pour moi de bien les départager. Ça c'est les aléas de la vidéo les gars. Si j'avais pu faire ça au calme j'aurais pu mieux bien les mettre dans chaque tortillas. Hop hop hop. Je vais en faire que deux pour l'instant pour ensuite vous reprendre et qu'on parle et tout les gars. Allez voilà. Là c'est carré. J'en ai deux, c'est bon. Hop mon. Ah, ça va être compliqué là encore de vous filmer. J'arrive les frères, j'arrive, j'arrive, j'arrive. La paix sur vous, la paix sur tous ceux qui sont là, vous êtes des braves. Là, tu vois, voilà, vu que j'ai laissé longtemps à la poêle du coup, ça va être délicat de les prendre et de les mettre à l'intérieur. Normalement, tu vois, tu mets un seul œuf en fait, pas un seul œuf. Là, ça va être délicat. On va voir un peu si ça se passe comme ça va être délicat. Je veux pas non plus abîmer la poêle. La daronne, elle va vriller, frère. Si elle voit la vidéo en plus, pouce bleu là d'or, on a un pouce bleu. Pouce bleu les frères. Qu'est-ce que je prends là, putain, merde. Je vais prendre ça. Ça va être délicat mon gars, ça va être délicat. Je prends ça. Je vais manger dans une assiette en carton, tu connais, parce qu'en fait là j'ai la maison pour moi quelques jours, tu vois. Et t'as un peu, quand t'as la flemme, la vraie strat que je vous donne, quand t'as la flemme de faire la vaisselle, eh ben tu manges dans des assiettes en carton, mon gars. On va essayer de pas. Ah, c'est chaud sa mère la poêle. Putain, je l'ai touché. Je vais essayer de pas casser l'œuf. Non, ne casse pas, ne casse pas, mon gars. Incroyable, incroyable. J'y arrive bien, j'y arrive bien. Et maintenant, faut le faire rentrer. Je vous pose 2 secondes. Je le fais rentrer à l'intérieur. Et là, mon gars, ça va être incroyable.
Après, le jaune 2, frère, il peut exploser à l'intérieur, tu vois. Avec le... Attends, parce que c'est chaud sa mère en même temps. Le jaune 2, il explose à l'intérieur un peu. Voilà, c'est bien. Bon, je l'ai rentré un peu à l'arrache. Mais l'idée est là. Après, c'est bien. Là, j'ai mis du... Attends, attends. J'ai mis du... Ça a pas coupé. Ouais, c'est bon, ça a pas coupé. J'ai mis du... Mais vous pouvez mettre... Attends, merde, je la remets comme ça. Vous pouvez mettre du chèvre et tout. Désolé, je crois que la bougie dans tous les sens et tout. Voilà, donc j'ai mis l'œuf à l'intérieur. Et écoutez, les gars, je vais en mettre un deuxième. Et ensuite, je vais me caler et on va se parler tranquillement. Voilà, que là, je trouve que... Attends, hop. Quand même, ça se fait pas que, voilà, je vous pose beaucoup. Mais malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Et ensuite, on va parler. Hop, là, mes deux petites fajitas. Tortillas du sexe. Incroyable. Alors en général, je suis avec fajitas en fait, mais là j'ai pas vu de fajitas, j'ai pris les tortillas. Hop. Et du coup c'est une innovation. Je me suis dit, vas-y, Xorox le génie mon gars. On est carré mon gars, on est carré, c'est parti. Je prends les olives. Hop. Je vais dehors mon gars et on est bon. Et là on va un petit peu parler tranquillement pendant que je fais la dégustation de la fajitas du sexe. Alors, guette. Bon, alors, c'est un peu le bordel, mais t'inquiète. Voilà, j'ai fait un peu à l'arrache quand même, un peu. Ouah, je me suis fait bouffer sa mère par les moustiques là et à d'autres endroits, mais c'est pas grave. Je vous éviterai les bails. Voilà, c'est joli quand même. Ça va, ça va, ça va. Le jeune d'œuf, il est un peu parti en couille. Je vais changer de place la caméra. Voilà. Impeccable. Et je vous cale comme ça, normalement. Attends, attends, attends. Hop. Et le chat, il fait que disparaître. Je sais pas pourquoi il disparaît. Ça me casse les couilles, ça. Voilà, vous êtes calé. Impeccable. On est parti. Le petit croc de la fajitas du sexe, mon gars. Impeccable. Sans le jambon avec le Saint-Mauré, mon gars. Avec l'œuf. Et vu qu'on a légèrement fait réchauffer la fajitas du sexe, elle est bien moelleuse, mon gars. Il y a un vrai bail. Il y a un vrai truc. On est encore 31, les gars. N'hésitez pas, maintenant je vais pouvoir lire les commentaires, poser des questions ou quoi. Pour tourner la vidéo et faire le montage en speed, j'ai pas bouffé à midi. Je peux vous dire que là, putain, j'ai la dalle. C'est pas normal, je pense que le chat a bugué. Ça reste figé sur la même question alors qu'on est une trentaine. Vous êtes des bons chatteurs. Donc je me doute qu'il y a des messages, je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Merde. Shadoken qui joue le Shadoken qui joue, comment j'allais dire? En gros, il joue souvent le titre dans les vidéos pour arriver premier. Shadoken, c'est le first de la chaîne. Il demande, je te réponds que je l'ai déjà expliqué du coup. Est-ce que tu feras la game Stumble Guys Abo? Je veux trop la faire. Je l'ai déjà dit, les gars, je l'ai dit. D'ailleurs, il fallait rejoindre le Snapchat. Je l'ai dit sur le groupe du Snap. Donc, si tu la rejoins, normalement, t'es au courant. Ça ne se fera pas parce que la vidéo Stumble Guys, ça n'a pas bien marché. On n'est même pas. Donc, il me semble que c'était 32 pour envoyer une game sur Stumble Guys. Sur Stumble Guys, on n'était même pas 32 sur ce groupe. On était une vingtaine. Donc, non, non, ça ne se fera pas. C'est mort Stumble Guys sur la chaîne. Putain, je vois pas le chat. Il n'y a pas de chat. Je ne vois pas le chat. Je suis désolé les gars, si vous envoyez des messages là, je ne vois rien. Il n'y a rien. C'est quoi les boutons là? Il y a des bails gros. Ah, je peux mettre des filtres. Je savais pas. Je savais pas, je découvre des trucs gros. Je suis en train de me faire bouffer par les moustiques. Par contre, je vais vriller mon crâne gros. Je vais vriller des moustiques envoyés par Namco. Bon. Les filtres, on s'en fout. Chat en direct. Ah! Je crois que ça y est, c'est revenu. Voilà les gars, envoyez des messages. Pour voir. Et quelle heure? Ah ta mère. 19h18. Oui, c'est bon, ça y est, c'est revenu le chat, les gars. C'est revenu. Voilà. Si vous voulez me poser une question ou quoi, les gars, allez-y. Putain, ça va être difficile pour moi de défiler le chat. Le stagiaire de Namco maraboute le chat. Totalement. Totalement, les gars. Validez la tortillasse du sexe, hein. Validé, qu'est-ce que vous en pensez de la tortillasse du sexe? Je suis sérieux, premier degré, je publie la vidéo. Hein. Bon, la qualité sera pas fou. Voilà, malheureusement, j'ai pas les trucs nécessaires pour pouvoir vous filmer les bails et tout, donc souvent je posais le téléphone. Ça, c'est mon seul grand regret, malheureusement, sur ce live. C'est quoi ton rêve?
Ah, j'ai plusieurs rêves, mais par rapport à YouTube, mon gars, ça serait incroyable. Je pense qu'on n'est pas trop mal parti quand même. Un gars qui a commencé ses vidéos sur un rocher dans une forêt, je pense qu'on n'est pas trop mal parti déjà. Pour ce que je propose, on est quand même à 16 000 abonnés. Je vous remercie d'ailleurs, parce que là, dernièrement, grâce à OPBR, ça évolue énormément. J'ai envie de taper un croc. Celui-là, là, il donne envie. Celui-là, il donne envie, il est un petit peu dégouliné. Celui-là, ça va, il a l'air pas mal. Jambon, saint-mauré, œuf, tortillas, il n'y a pas besoin de grand-chose. C'est rapide, mon gars, 5 minutes. Bien que je sois un cuistot hors pair, ça ne demande pas une grande expérience. OPBR t'a aidé à t'améliorer. Ouais, là, dernièrement, les vidéos OPBR, grâce au Shanks, grâce à l'anniversaire, on a bien évolué en abonnés. Et du coup, ouais, pour répondre à l'autre, là, mon rêve, pareil pour YouTube, voilà, en vrai, j'ai répondu. Le million d'abonnés, de vivre de YouTube, ça serait magnifique, voilà. Et de marquer YouTube. J'aimerais bien marquer YouTube malgré tout, les gars. J'aimerais pas, genre, voilà, je passe, je fais mon bail, même si j'arrive à en vivre et tout. Et genre, j'arrête les vidéos et ça y est, quoi, que Xerox, c'est terminé. Non, j'aimerais marquer le bail, tu vois. Genre, tu vois, je pense à un Squeezie. Excusez-moi. Je pense à un Squeezie, tout ça. Quand ils arrêteront, on se rappellera d'eux encore. Parce que il a marqué le bail. Le mec, c'est le numéro 1, tu vois. Les gros comme ça, là, qui sont dans le top en termes d'abonnés et tout, on va s'en rappeler. Inoxtag, il est bien parti pour. Là, il fait des bonnes vidéos, je trouve, dernièrement. Inoxtag, j'avais un petit problème avec lui. Je trouvais qu'il était un peu trop gamin. Il était un peu saoulant, des fois. Il est un peu bizarre. Mais là, dernièrement, franchement, ces vidéos qui sortent, c'est de sacrées masterclass. Bon, après, il a beaucoup d'aide hein, autour. Il a une sacrée équipe et tout. Mais c'est bien. Et je l'ai entendu dire, lui aussi, justement, dans. Je crois que c'était une vidéo ou un live. Je sais plus, qu'il voulait marquer YouTube. Mais lui, il est très, 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 très bien parti pour. Il y avait un bestiau. Allez, je vous lis un petit peu. Inoxtag, je l'aime. Pas Michou aussi. Pas Michou, tu n'aimes pas Michou, tu n'aimes pas Inoxtag, je l'aime pas Michou aussi. Ah non, t'aimes pas les deux. T'aimes pas les deux. Michou. Michou au début, je trouvais, voilà, bon, c'était un an. C'était un peu gamin, mais logique. Il était jeune et tout, c'était un petit peu un gamin. Je trouve qu'il a vachement pris en maturité. Michou, franchement, ça se voit, c'est quelqu'un d'intelligent et de mature. Et j'aime bien Michou, ça va, j'aime bien. Passer de même pas 20 000 abonnés à. Pour 800 000 grâce à Fortnite. Il a eu une chance phénoménale de ce côté-là. Donc il y a d'une part la chance, mais malgré tout, il a un vrai temps. La vidéo OPBR, c'est quand du coup je la sortirai demain, les gars. Tu penses que tu vas faire d'autres jeux que des jeux mobiles? Pour l'instant, je fais avec ça, les gars, c'est tout ce que je peux faire. Mais plus tard, bien sûr que ça changera. Jamais, jamais j'arriverai à monter et à réellement bien vivre de YouTube, par exemple, avec des jeux mobiles. Hein. Que là pour l'instant j'ai pas d'autres opportunités, pas d'autres choses quoi. Mon PC c'est un enfer, mon PC c'est un chétan gros. Yanis il me demande est-ce que tu farmes les combats challenge, parce que évidemment moi vous savez que j'aime pas farm, mais combat challenge sur PBR je prends du plaisir, donc oui. Depuis que je me suis mis sérieusement au jeu, je les farm. Avant que je jouais pas sérieusement au jeu, je me connectais même pas tous les jours et tout. Non, je les farmais juste genre... Voilà, je faisais une petite game par-ci, parce que voilà, je passais, j'aimais bien. Et voilà, j'arrêtais, tu vois. Là, ça farm les 100 000 points, mon gars. Easy, rapide en plus. Hein. Namco fait face. Namco fait face dans la dernière vidéo, les gars, vous allez voir. Namco riposte. Ah, on est à 19 minutes de live, les gars. Vas-y, moi, je vous parle hein, encore, là. Ah, je suis bien, je vous parle, c'est pas grave. Je sais pas combien de temps ça durera. Pas trop longtemps non plus. T'as quand ton appart? Ben, si je le savais, gros. Si je le savais. Comment tu as fait pour avoir autant de diamants sur OPBR? Récompense quotidienne. La seule meilleure réponse, c'est tout simplement de ne pas les dépenser. C'est tout. On me demande tout le temps sur NXB, sur OPBR, comment t'as autant de ça, comment t'as autant de ça. Il suffit de regarder les vidéos, vous voyez que je les dépense pas, c'est tout, c'est de l'économie. Économisez plus d'une semaine et vous verrez les chiffres monter déjà. Mais les plus jeunes, l'économie, vous savez pas ce que c'est. Oh, je parle comme un daron. Je fais un tuto, ça y est, je parle comme un daron. Wesh, la qualité
La qualité, ça va, c'est carré là. C'est le téléphone. Achète une bonne caméra, je te le rembourse. Ben, on voit l'oseille déjà. T'as mon PayPal en description, on voit l'oseille déjà et on verra après. Merci au frérot Sasuke qui a fait un petit don de 99 centimes. Écoute, c'est déjà ça. Ah, il y a un All Out qui est sorti. J'avale. Il y a un All Out qui est sorti sur NXB. Il y en a un qui me dit je me suis même pas connecté sur NXB aujourd'hui. Du coup, même hier, je me suis même pas connecté. Et du coup, je crois que c'est mort pour les 100 Shinobits à la fin de la semaine. Du sang, c'est 100. T'es encore en vacances? Ah, je suis un peu. Soit je suis en vacances tout le temps, soit je suis jamais en vacances, vu que YouTube, frère, tout le temps. Ça tape tout le temps. Tu vas détruire. Ils ont fait une. Ah, d'accord, j'avais pas vu ton message. Il dit que le All Out Mission qui est sorti aujourd'hui, ils ont fait nimp, c'est pire qu'avant. Tu vas détruire tes cordes vocales, je te jure. Bah écoute, hâte de voir ça. Genre, ils ont changé le bail, c'est pas possible. Hein. Là, je vois pas trop ce que tu veux me dire. Genre, ils ont changé le bail à ce point-là. GG pour Shanks, j'adore tes vidéos. Merci Pierre-Lucie, ça fait plaisir, mon gars. Tu connais Bilkus au PBA, bien sûr que je connais, il était passé sous la dernière vidéo, je suis allé sous la sienne aussi. Je suis à 1500 chinos dans NXB, c'est bien, bah économise. Tu joues aussi à Bleach Brave Soul, je l'ai désinstallé le jeu les gars, je l'ai désinstallé. Je vous avoue que depuis la dernière vidéo invocation, j'ai désinstallé quoi. Je veux pas non plus qu'il y ait trop de jeux et tout sur la chaîne, et c'est bon, j'ai pas le temps, quoi. J'ai pas le temps. Pour ta vidéo invocation, fais la chance du jaune d'œuf. Ouais, il y en a frère, ils ont de ces idées. Ouvre pas de chaîne YouTube, mon gars. Ouvre pas de chaîne YouTube, ça va flop ton idée. La chance du jaune d'œuf, putain, qu'est-ce qu'il me sent, lui. Attends, je vais mettre comme ça pour. S'il y a des comés qui arrivent, tu vois. Ils ont lu live tuto cuisine, ils vont se dire attends, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il est en train de parler juste. Comme ça, ils voient la tortillasse du sexe. Faudrait que je change de titre. Tu comptes refaire du Stumble Guys? Non, arrêtez avec Stumble Guys! Apparemment, les All Out sont plus durs qu'avant. On verra. Hein. Bon, ça me dérange pas. Ça me dérange pas, mon gars. S'il y a un peu de rage, écoute, pour les vidéos, ce sera bien. Ce sera bien, mon gars. Et je te jure, c'est terrible, le All Out. Putain, le All Out, il a l'air de vous avoir terrifié. Hein. Et il y en a, frère. Il y en a, il me demande que tu feras une rencontre avec Mbappé. Mais d'où ça te sort, ça? D'où ça te sort, ça? Merde, les moustiques, niquez-vous. Laissez-moi en paix, je vais essayer de descendre un peu les commentaires, ça a dû pas mal parler. T'en penses quoi de David Michigan? Ah mais lui, il est en train de buzzer total, le type, hein. Surtout sur TikTok, bah écoute, qu'est-ce que j'en pense? On m'en fout un peu, gros, hein. J'en ai un peu rien à foutre de David Michigan. Tu comptes retenter de monter en rang sur OPBR? Je pense que t'es pas à jour. T'es pas à jour, essaye de suivre un petit peu les bails, gros. Parce que là, il n'y a pas de retenter de monter en rang. Mais là, prochainement, ça va go, mon gars. SSS, hein. SS? Ouais, c'est ça, c'est SS. Avec le petit Shanks et tout, mon gars. Tranquille, tranquille. Là, je me retiens carrément de en off, pas mon TSS, parce que je sais que je peux largement y arriver. Mais même avant que j'invoque sur Shanks, je pouvais y arriver déjà. Parce que je veux passer en vidéo, les gars. Partage le bail. C'est plus sympa. Ça change des vidéos NXB. Ah ouais, mon gars, là, on est sur de la cuisine, mon frère. À base d'olives et tout. Qu'est-ce que c'est, ça? Sur la chaîne de Xorax Unique, j'ai vrillé aujourd'hui, gros. J'ai complètement vrillé. Brave toi. Chaque fois, il est en premier sous les vidéos. S'ils ont changé, c'est horrible. Maintenant, un personnage, une fois utilisé, après, tu ne peux plus le récupérer du All Out, de tout le All Out. Vraiment? Putain. Ah ouais, s'ils ont fait ça, ça change vachement le bail, ouais. Putain. Mais à ce moment-là, faudrait baisser un peu la difficulté à ce moment-là. Tu baisses un petit peu la difficulté des mobs. Et oui, ça peut être une bonne idée de... Le chat a disparu. Ça peut être une bonne idée de juste un seul personnage que tu utilises une fois, c'est terminé. Moi, je trouve l'idée peut être bonne, mais il faut baisser un peu le niveau alors. Parce que c'est vrai que ça va être hardcore et pour ceux qui débutent le jeu et tout, ils vont pas y arriver. C'est mort, frère. C'est mort. Là, c'est pour ceux qui ont de l'expérience sur le jeu, qui ont beaucoup de sets sur beaucoup de personnages, qui vont pouvoir vraiment aller loin. Tu peux refaire un vote entre quel jeu pour qui joue non, là, les gars, on est sur NXBO PBR. Pour l'instant, ça reste ça. Je me fais, les gars. Ah merde, je donne un coup dans la table. Je suis en train de me faire pulvériser par les moustiques. Je vous remets. C'est bon, on est bien. Attends, vous voyez pas bien le haut de ma tête, c'est pas grave.
pas grave. Tu gagnes combien si tu fais 700 pouces bleus? Si je fais 700 pouces bleus, gros, je gagne rien. Si je fais 7000 vues, à la limite, vas-y, je peux gagner 14 balles à peu près. Mais si je fais 700 pouces bleus, je gagne rien. Ah, j'étais dégoûté. Ça, je vais vous le dire aussi. Vous savez, la vidéo, la deuxième partie des invocations sur Shanks, la meilleure, était incroyable, cette partie des invocations. Vous avez vu que je l'ai publié une fois, j'ai bien écrit copyright, j'ai prévenu partout, en commentaire, sur Snapchat et tout, que je la publie une deuxième fois le lendemain, parce que celle-là, j'avais un droit d'auteur. Et du coup, j'avais un partage des revenus avec la personne, avec l'auteur, en fait, le bail. Mais normalement, partage des revenus, c'est genre, je touche un peu, malgré tout, tu vois, je touche un peu. Ben là, mon frère, là que cette vidéo, elle a marché de ouf, que j'aurais pu faire de l'oseille, rien, mon gars, le néant, j'ai rien gagné, gros. Namco, ils étaient là. Attends, frère. Enculé là ou quoi encore? Je sais pas si vous allez. Je sais pas, on voit pas trop au bail. Je me fais bouffer de partout. Je reprends mon histoire, merde, moi je m'éparpille là. Ouais, du coup j'ai gagné zéro, rien. Rien mon gars, rien. C'est pour ça, si vous voulez en plus m'aider tout, c'était une vidéo masterclass. Je me suis appliqué, ça m'a pris du temps, frère. J'ai galéré avec mon PC infernal, gros. Tout ça pour gagner peanut grâce à cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la deuxième quand je l'ai ressortie. Que celle-là, du coup, elle me rapporte de l'argent. Au moins. Ça m'aide, les gars, ça m'aide, c'est du taf. J'en ai plus que besoin. Donc bon, tu comptes faire des vidéos sur d'autres jeux? Pas pour l'instant, les gars, pas pour l'instant, mais à l'avenir, oui. Tu pourras faire des vidéos dégustation avec The Kerry, ça part loin, mais moi, des dégustations à l'avenir, je vous ai dit, j'aimerais beaucoup plus faire des vidéos un petit peu plus IRL comme ça. Donc des dégustations, pourquoi pas, ça m'aide. Des bails à faire, j'ai des gens à aller chercher et tout après. Et il est presque 19h, donc je vais me bouger, je crois que je suis à la bourse, H24 à la bourre, moi, putain, c'est terrible. La faritas du sexe pour faire craquer Namco. Nanana, j'ai script pour le stage 6. Tu les vends combien les lunettes de soleil? Alors ça se voit pas comme ça, mais là toutes les bordures sont assez abîmées. Mais je les garde mon gars, je me suis rendu compte que dès le premier facecam de la chaîne, c'était je crois la vidéo FAQ dans la forêt, je les ai, elles font un peu partie de mon personnage maintenant mes lunettes. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que j'ai la main sur le micro. Non, vous deviez bien m'entendre j'espère. Attends, il est où? Il est où le micro ce fils de... Il est là, c'est bon. Shanks, Ben Beckman, Wrigley, God, Usopp, en 500 diamants, tu vois, il y en a, ils ont une chance impossible, incroyable. Ils ont niqué le seul truc potable dans NXB. Putain, ça a l'air de vous avoir vraiment le all-out là dans NXB. Je vais aller voir ça après. Je descends un peu les commentaires que je pense que je suis vraiment pas à jour. Tu analyseras Sasori et Darui. L'un de tes préférés à l'époque, oui. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais commencé à l'époque où il y avait Darui. Mais avec OPBR et tout qu'il y a eu entre temps, c'est trop tard les gars. Je ne la ferai pas la vidéo sur Sasori et Darui. C'est mort. Je prédis King en prochain SBF. Pourquoi pas, en effet. Amdoulila, le like de le rototo de la luck, les gars. Le rototo de la luck, go invoquer. Si seulement je pouvais faire un live où j'invoquais en même temps, gros, ça serait incroyable. Tu me fais douter sur ma sexualité, petit coquin. Je sais, mon gars, je sais. T'es à jour dans One Piece, je suis à jour dans One Piece. Ah, ça y est, je suis enfin en bas des commentaires. Tu vas encore faire du PVP One Piece Bounty Rush? Bien sûr. Pourquoi? J'ai jamais arrêté, les gars. J'ai jamais arrêté. Bien sûr. Ça marche de ouf. Ça me plaît. Même si je vrille mon crâne. Mais là, ça va moins rager, je pense, mon gars. Ça, à moins que je tombe sur des cheaters. Sinon, ça va moins rager, mon gars. Vu que là, mon compte, il a pris un bon up. Grâce aux Shanks. Mon Luffy, niveau 93. Presque max. Le 20, le max, je vais avoir 3 pièces. Ça va faire mal, mon gars. Quand du PVP sur NXB. Ouais, il y en aura. Pas pour l'instant. Il y a des bails à faire, mais il y en aura. Putain, avec le soleil derrière, on dirait pas genre... Je suis divin, tu sais. Un peu. Il y a des fragments... Je pense que vous voulez dire, t'as des fragments 4 étoiles pour donner à Luffy ou Shanks. Les fragments 4 étoiles, dès que j'en ai, je les achète. J'ai acheté le Luffy. Le Luffy, les prochains, je sais pas, peut-être que je prendrai Shanks. Ou peut-être que je continue à maxer le Luffy pour qu'il arrive le plus rapidement possible level 100. Et là, il sera balèze. Bon, les frères, si vous avez une petite question ou quoi, allez-y. J'arrête le live dans genre 2 minutes. Je vais aller me faire ma 3e faritas du sexe. Là, j'ai mangé les 2. Franchement, carré. Elles étaient bonnes. Vous avez la vidéo, le tuto, là. Au début de la vidéo. Improbable. Si ce matin, un abonné, là, il venait, il me disait...
Frère, je l'aurais cru jamais, mon gars. Faire un live cuisine ce soir, jamais. Improbable. Il est quelle heure? 19h34, faut que je me bouge. Allez, je vous lis un petit peu, les gars, et on va terminer. T'as mis de l'argent dans One Piece Bounty Rush. Zéro dans aucun jeu mobile. Rien. Le néant. Invoque sur le nouveau portail sur Ulti et Doflamingo. Quelle merde, gros. Quelle merde. Jamais, jamais invoqué là-dessus, gros. T'es fou, toi. Perso, je te conseille de pas jouer deux attaquants. Nanana. Bah, si, c'est mes deux meilleurs personnages. Bien sûr, je vais jouer les deux. Comment t'as monté? J'ai pas joué un défenseur level 60, frère, alors que j'ai Shanks level 64. Je spoil. Chut. J'ai fait un fail. Vous avez rien vu. Vous avez rien entendu. J'espère que ça a bug. Le live a bug. Raconte. Nanana, t'as mis de l'argent. Non. Ah, mais je crois que je l'avais déjà lu, vu qu'en fait, j'ai remonté les commentaires. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bon. De tête, tu penses le faire? Mais putain, mais ils sont déter avec le All Out Stage 6. Hein, ils veulent me voir vriller. Hein, ils me disent, ouais, c'est horrible, c'est infernal, tu vas rager. Et depuis tout à l'heure, il faut que me parler de ça. Ouais, fais-le, le All Out. Donc, quand c'est que je compte le faire, le All Out? Je sais pas encore. Ah oui, pourquoi t'entends bien rager? En plus, c'est précise. bientôt, je le ferai, les gars. Bientôt, mais pas pour l'instant. Le lot Onigashima n'est pas nul, loin de là, donc améliore-le. Le lot Onigashima, c'est celui que je jouais régulièrement. Bien sûr qu'il est pas nul. Hein. Bien sûr qu'il est pas nul. C'est un bon personnage. Mais là, j'ai Shanks, le fils SBF, gros, deux dingueries, deux top tiers. Mais Skin Low, la paix sur lui. On l'oubliera pas, il a eu des scènes masterclass dans les vidéos PVP, hein, des scènes masterclass, frère. Celle où j'ai chuté, frère, j'étais passé en S+, je crois, et j'ai rechuté en S. Où je dis, il a eu son moment de gloire, genre, là, j'étais là, ouais, nouvelle méta, Trafalgar Low, c'était incroyable, j'enchaînais les kills. Et frère, à une seconde de la fin, on perd sur un truc improbable, où je fais ma kappa qui... Incroyable, franchement, c'était vraiment improbable, c'était incroyable. Et ouais, donc il a eu des bons moments, Lou, franchement, il a eu des bons moments sur la chaîne. On veut de la rage ici, c'est toi. Non, c'est pas moi, gros, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Salut, j'adore tes vidéos, H24, je les regarde, ça fait plaisir, frérot. Elsie, ton pseudo me dit rien. Mais merci à toi, frérot. Lou va partir, malheureusement. Ok, je sais pas trop ce qu'il voulait dire. Noah Deschamps, putain, Noah, t'es là depuis le début, hein. Un vrai, hein. Non, un bon fidèle. Demain, tu invoques. Demain, il y a la vidéo invocation, les gars. On va terminer le live là. Celle, tu mets des coups d'épée dans l'anus d'un mec et ça lui faisait rien. Non, c'est pas ça là. Non, c'est pas ça là. C'est l'une des dernières vidéos PVP vraiment assez masterclass. Celle où je perds un rang. Je monte le rang et je le perds dans la même vidéo. C'était terrible. Vous avez le tuto au début de la vidéo. C'était pas hyper bien présenté. Si un jour, peut-être, imaginons, je fais une chaîne Xoxo Cuisto, eh ben, je la referai en carré. T'sais. Un petit trépied, je vous calerai bien, comme ça, bam, je vous montrerai bien tout, ce sera carré. Voilà, les frères, écoute, on se fait des bisous. Dites-moi bisous. Dites-moi. NXB, c'est ennuyant, hein, un petit peu à la force, je peux comprendre. Dites-moi bisous, les gars, et on va se quitter là-dessus. T'es à cause du sexe, enlève tes lunettes. Non, j'enlève pas mes lunettes. Fais-nous des lives Twitch, mec. Alors, déjà, sur Twitch, je trouve, il n'y a pas grand monde, j'aime pas trop Twitch. Et j'ai pas Twitch, déjà, de base. Et voilà. Allez, bisous. Allez, bisous, mon frère. Oh, il y a un décalage, j'ai l'impression, sur le live. Bisous, voilà. Allez, bisous, les frères. On coupe le live là. J'espère que ça vous a plu. Pouce bleu de l'amour. N'hésitez pas à partager tout ça. Et voilà. Moi, je republie la vidéo. Allez, bisous, les gars. Kiffez bien la vie. Portez-vous bien. Allez, ciao, comme je dis à chaque fois. Et voilà.